Ok. Alors, pixel. B, B, Q. Termine. Lol. Un problème de communication avec le serveur est survenu, veuillez réessayer ultérieurement. Bon, on va réessayer, mais j'ai l'impression que le serveur me troll salement. Et non, ça marche pas, il n'y a pas moyen, c'est pas possible, c'était une blague. Dommage. Mais non, on peut même pas faire du multijoueur, on ne peut pas inviter mes amis. Non, mais GTA 5, c'est vrai qu'il est énorme. Je l'ai l'année dernière, j'ai vraiment joué comme un fou à GTA 5. J'ai vraiment adoré. Pour moi, c'est vraiment un grand jeu. Je sais bien que tout le monde n'est pas d'accord avec moi. Et voilà, GTA, ils ont apporté beaucoup dans le domaine du jeu vidéo. Ils ont vraiment une manière de travailler, des idées, une manière de raconter une histoire aussi très cinématographique. Et moi, ça m'a bien mis sur le cul. Et puis, on s'éclate sur le multi avec des potes, franchement. On s'amuse, on fait de temps en temps des lives d'ailleurs, si ça t'intéresse. On s'amuse assez bien là-dessus. Il y a des lives sur GTA 5. C'est de l'arnaque ce jeu. Bah, c'est surtout que les serveurs tiennent pas la route. Ouais. Ah, MXATV, oui, c'est vrai que je sais pas si on a un qui est en préparation ou pas. Je sais pas du tout s'ils ont un nouveau MXATV dans le pipeline, s'ils sont en train de préparer ça pour une version PS4, Xbox One. J'en ai aucune idée. Ah, Gololo, tu penses. Gololo. Je sais pas si c'est comme ça que ça se prend, tu veux être déçu par Drive Club, toi? J'ai l'impression que. Ah, ben Marseille aussi est d'accord avec toi. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens de mon entourage qui disent ça, effectivement. C'est marrant parce qu'il y a quand même des réactions assez mitigées, je pense. J'ai le nom d'une personne en tête comme ça qui pour l'instant kiffe le jeu. Et j'en ai beaucoup d'autres qui trouvent ça dégueulasse. Ah, exactement, les serveurs sont si abîmés que cette route, c'est en piteux état. Ce que je comprends pas, c'est qu'ils auraient quand même dû calculer en se disant, bon les gars, on a X précommande, on va mettre le jeu, donc on sait que des gens, c'est normal, il y a la version PlayStation Plus qui devait débarquer, qui devait être en vente, donc il y aurait dû avoir encore plus de monde sur les serveurs, parce que les gens auraient dit, bon on va essayer, c'est gratuit, on va tester la grosse démo fournie. Donc ils auraient quand même dû calculer le truc pour se dire bon il faut quand même des serveurs qui tiennent la route. Je sais vraiment pas comment ils ont réfléchi. Ou si vraiment ils ont été pris de court, ou s'il y a vraiment eu un gros succès, je sais vraiment pas ce qui s'est passé. Exact, jeu en kit. Alors ce qui est bien c'est qu'il y aura quand même des mises à jour gratuites, ça c'est cool. Il y en a quand même plusieurs qui sont prévues, ça ce sera pas mal. Mais évidemment, il y aura aussi des mises à jour payantes pour Drive Club et ça, c'est moins cool. Ah, Hollande vient de la lancer carrément, pas de multi, ils ont annulé le truc. Et les graphismes, ouais, sont pas mal, mais c'est vrai que c'est surtout le. Moi, ce qui me choque le plus pour l'instant, c'est l'intelligence artificielle des concurrents, t'as vu? Ils font tous à peu près la même chose, ils ont une certaine brutalité, ils te rentrent dedans, ils n'en ont rien à cirer. Bah, je sais pas. Ouais, c'est ça, pas de multi, c'est vraiment le gros point noir. Là, ils ont vraiment intérêt à se rattraper auprès des joueurs. Leur faire un beau cadeau, ou alors vite venir avec la météo, vite venir avec un truc, parce que sinon, je pense que ça va gueuler. Si ça reste une semaine sans live, là, je pense que les gens vont pas être contents et que ça va. Ça va bugger.
Bam, manger sur la piste. En plus, ils sont pas loin et t'arrives pas à les rattraper. Et ah, écoute, Gololo, c'est vrai que j'entends beaucoup de personnes qui effectivement trouvent que Forza 2 est meilleur. Bah, niveau 3, ouh. On va essayer de la recommencer. Hein. On va créer un défi. Ah, bah non, ça marche pas. Ah, Pantera, moi j'aime plutôt bien dessiner. J'accroche bien, après faut. Voilà, faut pas. C'est vrai que l'histoire est à chier, ça se finit de manière tellement nulle. Mais l'aspect MMO, RPG, avec. Voilà, tu farmes ton stuff, je trouve ça assez chouette. Faire des instances avec des potes, faire des assauts, des raids. Je trouve ça encore assez chouette. Destiny, personnellement, je suis pas déçu. Après, ils vont jamais réussir parce que voilà, ils ont des plans pour une soi-disant 10 ans, ils vont pas faire durer Destiny 10 ans. Ou alors ils vont sortir un Destiny 2 ou ils vont penser un truc, mais ça c'est clair que ça va pas durer 10 ans. Ça va même pas tenir les personnes en haleine 10 mois. Mais bon, ça aura eu le mérite de m'avoir occupé plutôt de manière sympa. Yoshiyamo 14 qui parle de DJO du 21 qui traque des filles sans défense. Ok, ça va, le message est passé. On ira lui dire. Alors, Drive Club, il pue le caca. Et comme je dis à tout le monde, je débute donc j'aurai un avis tranché sur la question quand j'aurai vraiment tout essayé. Mais on verra. Peut-être pue-t-il le caca, peut-être le. Put-il pas tellement? Ok, donc c'est Joe du 21. Mettez-lui sa misère. Ah, Geoffrey, re-bonjour. Rebonsoir plutôt. Ah, Steetoon, Drive Club et The Crew, c'est pas non plus. C'est pas non plus la même chose. Avec Enzoui, c'est vrai, tu as raison, pas de règlement de compte ici. Comment je me fais dépasser par ces mecs-là alors qu'on est en ligne droite et que je suis pied sur le champignon? Bon ben rien à faire, pas moyen que je gagne cette course. J'ai encore honteusement perdu. Ah, on va regarder d'autres circuits. Hein. Si vous voulez, c'est vrai que
Non, Assassin, le multi marche toujours pas. C'est vrai que cette track était, cette course était assez plate. Mais non, le multi marche toujours pas. J'ai eu un faux espoir tout à l'heure. J'ai cru que ça fonctionnait, mais en fait non, c'était une blague du jeu. Oui, ça Call of, c'est une belle arnaque, ça je crois qu'on je crois qu'effectivement il n'y a pas, y a pas à dire. Alors, on va voir un petit peu ce qu'il y a d'autre comme. On va faire une épreuve simple. Bon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre de sympa comme circuit? Hop, 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 hop. J'en ai fait un bien tout à l'heure où je descendais d'une montagne, mais je n'arrive plus à le retrouver. On va essayer ça, je ne sais plus c'était quoi. Si le multi est dans un an, je crois que ça va gueuler sur les internets, un truc de fou. Pour descendre, si le multi marche que dans un an. Mais d'une puissance rarement vue. Non, je suppose qu'il travaille, hein. Le multi va arriver normalement, si tout va bien, le multi va arriver ce week-end, c'est pas possible. Il se tire une balle dans le pied s'il lance pas leur multi le plus rapidement possible. Ah, mais lui, je l'ai fait tout à l'heure, celui-là, je comprends. Là, c'est un décor un peu plus montagneux. Bah, c'est vrai que comme vous dites, quoi, je sais pas ce qu'ils ont foutu pendant un an, je sais pas. Bon, j'imagine qu'ils ont fait des trucs, mais je pense que le développement était pas mal chaotique. Je pense qu'il y a eu des départs, ils ont aussi dû repartir un peu partout. DJMP, bah merci à toi d'être passé, bonne soirée et à bientôt sur Pixel Barbecue. N'hésite pas à nous suivre ou à passer sur notre Facebook ou à passer sur ou tout simplement à passer sur notre site pixelbarbecue.com. Ouais, Kenzo, là tu touches peut-être un point sensible, hein, en disant jeu à accès anticipé, c'est pas faux, hein. On va avoir la météo plus tard, on va avoir d'autres courses, on va avoir le multi qui viendra par après coup. C'est vrai que là tu mets le doigt sur un truc, c'est pas faux, je pense que tu as raison, ça ressemble vraiment à un accès anticipé. Pareil, merci, merci DJMP, c'était cool de t'avoir, à bientôt. Ça c'est vrai, Citoon, là tu as raison aussi. Les trailers étaient magnifiques, les vidéos, même je sens, ils avaient mis des vidéos sur leur. Pas sur Vine, mais sur genre Instagram ou je sais plus quel autre réseau social, où tu avais des vidéos, mais magnifiques, avec les effets de météo, l'eau qui ruisselait sur les carrosseries, enfin, c'était vraiment impressionnant. Et voilà, quoi, c'est au final, on est loin du résultat. Il y a eu un downgrade. Scrapmon, tu as raison. Kenzui, président. Kenzui, il a tout compris. Non seulement il fait des news, mais en plus il a décelé la fourberie des développeurs, hein, du jeu. Alors, la vue intérieure. Voilà. Être poli, s'il vous plaît, monsieur. Pour la vue intérieure. Alors, il y a plusieurs vues intérieures. Je suis en train de me vautrer. La vue intérieure, comme ça, sans le volant. Voilà, mec. GTF Snip, tu as la vue intérieure avec mon pare-brise qui se brise, mais qui, de toute façon, il se pète jamais. Et il y a un papillon sur la route. De rien, mec, avec plaisir.
Je vais te montrer ça avec le volant si tu veux, elle est sympa aussi, mais bon voilà, un peu moins lisible du coup. Jamais arrivé à une 17, j'arrive à chaque fois à une 17 et quelques secondes. Je fais un peu n'importe quoi à chaque fois. Il y a bien un moment où ça va passer, c'est pas possible. Il y a bien un moment où choper cette putain d'étoile. Comme une étoile. Alors, je pense quoi de Ducrou? Eh ben, je pense que. Donc, j'ai essayé la bêta. J'aime bien. Je trouve ça chouette, c'est beaucoup plus arcade que ce jeu-là, donc c'est vraiment, t'es tout le temps pied au plancher, tu fonces à travers tout, c'est open world donc tu peux passer partout, donc c'est très chouette, mais j'ai peur que ce soit répétitif, parce que c'est vrai que tu fais très vite le tour, donc, par exemple, j'ai été de Détroit à Miami, il m'a fallu 45 minutes, en ligne droite, bon après, voilà, pour aller de Miami à Las Vegas, pareil, j'ai mis à peu près 45 minutes. Donc du coup j'ai peur, bon tu peux vite faire le tour du jeu et ça devient vite répétitif. Maintenant après tu vas me dire ici s'il n'y a pas plus de circuits donc c'est aussi tout aussi répétitif. Mais en tout cas de coup j'ai bien accroché. Personnellement j'ai bien accroché. Maintenant est-ce que je vais l'acheter? Je pense pas que je vais l'acheter, en tout cas pas directement à sa sortie. On verra si on le recevra pour faire un test, mais c'est Ubisoft, malheureusement je suis pas certain qu'on l'aura. Mais c'est marrant, la vitre se brise un petit peu là. Ouais, on va essayer de péter la vitre, on va voir si elle casse. Est-ce qu'on va arriver? Je vais essayer de péter ma vitre. Hein. En vue interne. Non, à mon avis, il n'y a pas moyen. Ouais, je sais pas si elle fait vraiment 5 000 km², je suis. Enfin, je sais pas. J'en sais trop rien si elle est aussi grande. Mais c'est vrai qu'elle est, elle est vraiment grande. Quand je dis 45 minutes, c'est vraiment à fond. Alors, on va péter cette vitre. Non, toujours pas. Bah, Scrapsmon, ouais, certainement, ça peut-être pas. Faut voir une fois que les. Comme je dis, quoi, faut voir une fois que les fonctionnalités online seront là. Peut-être que voilà, ça va rehausser le niveau, je sais pas. Oh, ma voiture a bien amoché quand même. Je sais pas, faut vraiment voir une fois qu'on aura le. C'est compliqué à dire, j'ai envie de dire, faudra voir une fois qu'on a le jeu en main, qu'on aura tout le jeu complet, mais d'un autre côté. Ils l'ont sorti, donc voilà, est-ce qu'on peut considérer que le jeu est complet vu qu'il est sorti? Ouais, vite incassable. Apparemment, j'arriverai pas à la péter. Par contre, ma peinture a pris cher. Hein. J'aurais quand même bien aimé péter ma vitre. Tant pis, on fera ça. Ça aurait été marrant de pouvoir péter la vitre, de pouvoir passer, sentir l'air frais sur son visage. Non, j'ai cru que ça. Ah ouais, ça m'apprendra à pas regarder ma carte. Ça, c'était une putain de vitre blindée. Voilà, bon, ce truc-là, je crois que, hop, terminé l'épreuve. C'est quand même des voitures super solides hein, dans Drive Club. Bon, la peinture, par contre, c'est pas ça. Elle s'écaille facilement. Mais la voiture, vas-y, que je suis une voiture indestructible.
Allez, je crois que je vais encore faire une petite course ou l'autre. Et puis, les amis, je vais un peu faire une pause dans de Drive Club. Parce que, mine de rien, il ne faut pas trop abuser des bonnes choses. Alors là, Lotus, je l'aime pas. Et alors, je trouve ça dommage, il n'y a pas beaucoup de personnalisation. Je sais pas si on peut plus personnaliser une fois qu'on a son club. Mais pour l'instant, niveau custom, voilà quoi. Je pense que ce résume bien la situation. En tout cas, si ça vous intéresse et si vous voulez repasser, il y aura d'autres lives, c'est sûr. Un mode où on doit amocher sa voiture. Oui, là, je serais très bon, hein. À ce mode-là, je crois que je débloque tous les trophées, je le platine direct. Ah, t'as une Audi TT, la classe. Ouais, chouette. Alors, ne pense pas que c'est ta voiture, parce que si tu penses que c'est ta voiture que je conduis, je pense que tu auras des sueurs froides. Et je pense que tu me tabasses, ça, si un jour je conduis ta voiture comme ça. Comment, même l'ordinateur, regardez-moi ça, les voitures devant, elles se rentrent dedans, mais rien à foutre. Va te niquer, on se fonce tous dedans. Vraiment des bourrines. Hop. Bah moi aussi, je fais comme vous les gars. Si tu précommandes Drive Club demain maintenant, tu recevras une couleur exclusive. Tu pourras faire ta voiture en couleur jaune pisse. Ça, c'est du bonus du traité. Ou tu pourras mettre un sticker caca sur ta voiture. Enfin bon, on critique, mais bon, voilà, mine de rien, je m'amuse quand même. Je m'amuse quand même. Tu as vu l'état de cette voiture. Bon, allez, on va essayer de terminer sur une note positive et essayer de pas terminer dernier. Je pense que je serai content. Si je suis pas dernier, je serai content. Pourquoi il en faut peu dans la vie pour être heureux parfois? Les stickers Scarab, puis la chaîne 6ème place. Ça, c'est vendeur. Ça, je pense, Scrapmon, tu as des talents de communicant. Je ne sais pas si tu fais de la communication, mais je pense que le marketing de chez Sony devrait te contacter. Oh là là, Nawak, 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 Nawak. Et je vous avais dit que je serais content de ne pas terminer dernier. Hein. Et là, je serais peut-être déçu aujourd'hui quand je finirai. Une casquette CGER. Les surplus de la vieille banque. Et un Bic Sabena. Parce qu'on est old school. Laissez-moi passer, faites place, bande de baraquis. Par contre, je crois qu'il n'y a pas moyen de klaxonner. Non. Non, pas moyen. Je sais pas trop s'il y a une touche pour klaxonner. Ça, par contre, c'est dommage. Je pense que dans mon test, dans les points négatifs, je mettrai pas de klaxon. Pénalité de collision. Voilà. Ah bah là oui, on a l'accès anticipé au solopack un peu. Mais ce qui est con, c'est que ça fonctionnait avant la sortie du jeu. Et que bah, j'ai pas eu le temps d'essayer avant. Donc du coup, je sais pas à quoi ça ressemble, ce foutu online. Hein.
Non, c'est toujours ici que je me vautre. Et que je perds toute mon avance. Je crois que j'ai un gros problème avec ce tournant. Bam, les virages, on s'en fout, on prend ça à la barbare. Et avec un peu de bol, je vais peut-être réussir. Non, ils ont trop de vitesse, j'arriverai pas à les rattraper. Pénalité de collision, pénalité de collision. Petite accélération, celui-là ils font. Bon, au moins je serai pas dernier, on aura fini sur une note plus ou moins positive, 6 sur 10. Ma foi, c'est moins bon que la moyenne, mais ce n'est toujours. C'est toujours mieux que rien. Pour ce, en plus, ça m'a fait gagner quelques petits points, donc pourquoi pas un petit peu d'XP. Hop, niveau 15, c'est pas mal. C'est toujours moins que rien. Et bien voilà, sur ce, moi je vais arrêter Drive Club pour aujourd'hui. Je reprendrai ça demain certainement. Très à 100%, c'est sûr que ce week-end je serai aussi sur Drive Club. Bah, je vais vous remercier. Merci, merci Kenzui, merci Scrapmon, merci Geoffrey, merci Stitoon92. Donc voilà, merci tout le monde. Et on pourra à nouveau créer son club. On va essayer de terminer sur. On va essayer de créer le club Pixel Barbecue. PXL BBQ. Ah, mon Dieu. Est-ce que je vais réussir à créer le club Pixel Bar? Bah non. Le jeu nous aura bien eu sur la fin. Espèce de petit coquin, tu nous as bien baisé. Et ben voilà, on aura fait. On aura foiré. On aura foiré sur la fin. Donc je vous remercie encore une fois tous d'avoir été aussi nombreux sur ce live. C'est rare qu'on ait autant de monde. Donc c'est vraiment chouette, ça m'a fait vraiment super plaisir. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. À très bientôt tout le monde. Et voilà, à très bientôt. Prenez soin de vous. Et n'hésitez pas à repasser sur Pixel Barbecue quand vous voulez. Ça nous fera super plaisir. Ciao.